Cet événement a lieu à l'occasion de la célébration de la Semaine de la jeune fille, célébrée par le Mali dans le cadre du 11 octobre, Journée internationale de la fille. Ce Forum national des jeunes femmes et filles leaders du Mali s'est tenu ce jeudi 23 novembre 2023 à Sikasso. Cette 6e édition a pour thème « Leadership, communication, plaidoyer et gouvernance de la jeune femme et fille du Mali dans le contexte de la refondation ». Vous conviendrez avec moi qu'il est plus important d'investir dans la promotion de la femme et de la jeune fille afin de leur permettre de jouer pleinement leur partition dans le développement de notre pays. C'est le lieu d'affirmer haut et fort que la refondation tant prônée et souhaitée par nos concitoyens ne se fera sans les femmes et particulièrement les filles, lesquelles sont nul doute les mères et les grand-mères de demain. Il vise également à informer et sensibiliser les jeunes filles et femmes sur l'éducation, l'autonomisation, les violences basées sur le genre, la paix et la sécurité, la santé de la reproduction. 5 panels de discussion sont prévus pour cette occasion. Et il y a beaucoup de thématiques qui vont être débattues dans ces panels-là. Et j'invite toutes les filles et femmes de Sikasso à y participer pour le bien-être de la région de Sikasso. Une clinique mobile a également été mise en place par les organisateurs pour le dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, ces deux sont en train de faire des ravages sur les femmes. Et j'invite toutes les femmes de Sikasso en impliquant les chefs de quartier à y participer. À noter que cette activité est une initiative du Réseau national de la jeunesse du Mali. Elle s'est tenue sur 3 jours, du 23 au 25 novembre 2023.